Bon, ok. Une petite gorgée de café avant. Let's go. Salut tout le monde, c'est Willou. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis pas chez moi. Je suis pas là au studio. Je suis nulle part. Oh, excusez. Là, je vous tiens pas avec un trépied. Je vous tiens avec une salière et poivrière. Très original comme trépied. Non, je suis à ma job. En fait, je suis juste en pause. Et là, j'ai le temps de vous parler. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. Un peu cosy en même temps parce que je veux vous parler de mon unboxing, de mon iPad, de mon nouveau iPad. Alors c'est parti, on va parler de mon iPad un peu. Alors comme vous pouvez, vous allez pouvoir dans la vidéo des images de mon ouverture, de unboxing de mon nouveau iPad. Tout ce que je peux vous dire, c'est la 10e génération. C'est un 2022, hein, c'est un iPad 2022. C'est un 10,9 pouces de mémoire. Là je l'ai pas avec moi parce que tu sais, je suis à ma job, je suis en pause comme je vous ai dit. Fait que je l'ai pas avec moi, mais j'ai au moins des images que je pourrais vous montrer pendant que je parle un peu. Vraiment, la fille nous a dit, qu'elle nous a conseillé cet iPad là parce que il est bien. Alors pour mes demandes que j'avais demandé, parce que là j'avais des demandes particulières sur le iPad que j'ai en ce moment est quasiment considéré comme un MacBook. Alors, le fameux MacBook de Apple. Et ça, ce MacBook-là, un MacBook, c'est très fort. On va se le dire. Fait que la fille nous a dit que c'est quasiment comparé à ça. Fait que j'ai quand même un bon iPad. Hein? Et j'ai pas non plus le plus récent. Mais tout de même, c'est en 2022. Puis on est juste en 2023. Début 2023. C'est parti pour l'ouverture. On enlève la boîte. On va juste le virer en envers. Faut pas rien viser. Le matin satisfaisant. Merci. Oh mon dieu, ça. Ok, oh my god. Oh, je sais pas. Okay. Le beau iPad. Ouais, je me suis mis à jour là aujourd'hui. Tout ça pour dire que cet iPad là, il est magique. Magique, il est vite, il est fort. Ah, puis il y a une autre affaire, comme on peut voir, ou comme je sais pas si on va. Non, on verra pas tant que ça. En tout cas, bref. Je vais essayer de vous mettre une image là, ici. Comme on peut voir sur l'image, la caméra, le rond de la caméra n'est plus à la même place. Fait que c'est juste ça bizarre qui est différent. Et le piton, tu sais, comme les vieux iPads, les pitons qui étaient en bas de l'écran, en bas complètement de l'écran, au milieu, ben ça n'existe plus. C'est vraiment en haut de l'écran. Alors, j'ai finalement, mon frère, il a gentiment accepté de tout faire en sorte que mon iPad marche à 100%, que j'aille toutes les affaires à jour et qui étaient sur mon ancien iPad, sur mon nouveau iPad. Tout est fait. Alors, je te remercie pour mon iPad qui est enfin prêt. Je vais pouvoir y aller gamer. Ok gang, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même apprécié cette petite vidéo-là. Assez bizarre, je suis pas chez moi, ça fait juste bizarre. Ça fait pas professionnel comme vidéo, mais hein, on va prendre ce qu'on va prendre. Puis je vous aime guys, puis prenez soin de vous, puis on se voit pour une prochaine vidéo. Bisous, bye. Ok, bye tout le monde, je vous aime, puis prenez soin de vous. Bye.